Loi de l'attraction, une question à éviter à tout prix. Alors, comme vous le savez, dans la loi de l'attraction, tout ce à quoi vous portez le plus votre attention, eh bien, vous risquez de vous l'attirer dans la vie, que ce soit des événements et des circonstances positives, autant que des expériences négatives. Une question que j'entends souvent les gens se poser et qui peuvent avoir des répercussions catastrophiques dans votre vie, est une question très simple que les gens programment dans leur cerveau et que je vous demande de déprogrammer. La question est simple, c'est la question du pourquoi pas. Alors par exemple, eh bien je vais réussir à avoir ce travail, pourquoi pas? Ou bien ben, je peux être riche, pourquoi pas? Ou bien je peux l'avoir, l'homme de mes rêves, pourquoi pas? Alors, ce qui se passe lorsque vous posez la question du pourquoi pas, c'est que vous, en fait, vous actionnez cette commande, cette manette dans votre cerveau, et votre cerveau va se mettre à chercher toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir ce que vous souhaitez. Alors, ça peut vraiment avoir des conséquences catastrophiques, car vous allez vous mettre à porter une attention inconsciente sur toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas, pourquoi pas, dans l'univers, à cause de la loi de l'attraction, vous allez vous attirer toutes les conséquences négatives qui vont prouver votre pourquoi pas. Donc, cessez dès aujourd'hui, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous pensez, car toutes les paroles et les pensées sont des ondes d'énergie et ces ondes-là se transforment. L'énergie ne se perd pas, l'énergie se transforme et crée des réalités dans votre futur rapproché ou plus lointain. Je vous remercie de partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de gens en profitent afin que nous vivions tous dans l'abondance et la prospérité. Il y en a assez pour tout le monde. Je vous remercie d'aller sur attractitude.com. Vous pouvez apprendre beaucoup plus sur mon site grâce à ma méthode inédite et unique. Alors, je vous remercie de faire attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites et je vous souhaite le meilleur en tout.